Salut tout le monde, c'est Rick FBC et bienvenue pour un nouveau Let's Play après Assassin's Creed 4 Black Flag. Nous restons avec Ubisoft et nous sommes sur Watch Dogs, qui est sorti il y a quelques mois, je le concède, donc j'arrive un petit peu tard. Hein. Il a déjà eu beaucoup de monde à faire des vidéos dessus et à faire des Let's Play dessus. Je suis sûr qu'ils ont tous terminé, hein, ceux qui ont commencé il y a, dès la sortie en fait. Donc j'arrive un petit peu tard, effectivement, mais bon, comme vous le savez, j'avais Assassin's Creed 4 et je savais pertinemment qu'avec deux Let's Play en parallèle, je n'allais pas pouvoir les faire tous les deux de façon régulière. Donc j'ai préféré faire l'un derrière l'autre. C'est plus pratique pour moi et je suis sûr que c'est beaucoup plus agréable pour les personnes qui suivent les Let's Play. Donc, nous sommes sur PC, je vais jouer au clavier et à la souris. J'avais prévu au départ de le faire sur Xbox 360, mais comme c'est un jeu que j'ai terminé sur Xbox 360 et que j'ai adoré, je me suis dit, bah tiens, lorsque je vais reprendre mon année universitaire et que je ne serai plus chez moi la semaine, eh bien, je voudrais bien l'avoir avec moi. Donc, je l'ai acheté sur PC et j'ai décidé de faire le Let's Play sur PC. Ce sera, je pense, un petit peu plus agréable. Ce sera mon premier Let's Play avec les commandes clavier plus souris, grande première. Moi, qui, il y a quelques mois, n'étais pas très à l'aise avec ces commandes-là. J'ai pu m'exercer et m'adapter. Donc, pour ce Let's Play, j'ai choisi d'utiliser le niveau de difficulté difficile. Vu que je l'ai terminé en normal sur console, on va passer sur PC, d'autres commandes, et on va se lancer un petit défi et faire le Let's Play en difficile. Qu'est-ce que je disais? On va essayer de faire comme Assassin's Creed 4, c'est-à-dire avoir 3 épisodes par semaine environ, donc le mardi à 17h, le jeudi à 17h et le samedi à 14h. Donc évidemment, ce ne sont que des indications, j'essaierai de le suivre au maximum, normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes parce que ma connexion sur Rennes n'est pas trop mauvaise, donc je suis plutôt pas trop mal installé, ça va, c'est bien. Et bon voilà, on va essayer de faire ça comme ça et de prendre du plaisir parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et c'est aussi pour ça que je voulais quand même faire le Let's Play même s'il arrive un petit peu plus tard. Ceci dit, voilà, vous regardez le premier épisode mais vous avez peut-être pas forcément envie de regarder tout le Let's Play parce que vous l'avez déjà regardé sur notre chaîne par exemple ou vous avez déjà joué au jeu et vous avez pas forcément envie de revoir quelqu'un d'autre y jouer. Eh bien, sachez que vous pouvez tout aussi bien revoir des moments du jeu, voilà, piocher un épisode par-ci par-là, c'est tout à fait possible. Je fais toujours un petit peu de pub histoire de vous inciter à regarder quand même quelques épisodes au cas où, on sait jamais. Bon, le chargement est un tout petit peu long. Alors j'ai lancé une partie, hein, c'est pour ça que je pouvais faire continuer. J'avais fait des tests pour voir si au niveau des graphismes mon ordinateur suivait. Et évidemment, j'ai fait des tests de son parce que j'enregistre le gameplay et ma voix avec Fraps. Donc les deux en même temps. Donc je me tais pour la scène d'introduction. C'est bon, je suis dans le hall du Merlot. Ok, Aiden, c'est parti. Je lance le piratage. Regarde ça. Une mine de secrets et de mensonges dans un nuage de tonnerre. J'ai qu'à tendre le bras. Mais tout ça, c'est à moi. À nous. Reste concentré. Leur système de sécurité est costaud. Ça fait combien, là? 100 000 dollars en 30 secondes. J'adore les gens blindés de pognon. On est des magiciens du futur. On vide les comptes en banque et sans toucher à rien. Non mais tu t'entends. Tiens, tiens. On dirait qu'on n'est pas les seuls sur le coup. On va voir qui c'est. Pas le temps, Damien. On s'en tient au plan. Vide les comptes et on se tire. Quelle aventure, mon garçon. Fais confiance à ton mentor. Quelqu'un a déclenché cette alarme. Je veux voir qui. Mais merde. J'y suis presque. Terminé, je coupe tout maintenant. Non, surtout, tu touches à rien. Qu'est-ce que c'est ça?
Maurice. Ouais. À toi de jouer. L'un de nos contacts a eu le nom des hackers du Merlot. On les tient. On t'a refilé Hayden Pierce. Tu t'en occupes. Sa famille aussi, s'il le faut. Ça lui apprendra à fouiner là où il faut pas. Sa famille aussi. Ça pose un problème ? Non, je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. Donc notre ami Hayden s'est attiré des problèmes. Ubisoft presents. Ubisoft Montreal Production. Alors oui, j'adore lire les fameux textes au début des films ou des jeux vidéo. Watch Dogs. Bienvenue à Chicago, les amis. Alors oui, je m'amuse souvent au début des films avec voilà, tel studio présente à dire comme ça, machin, presents. Je m'amuse. C'est marrant. Faut me croire, mec. Qui a donné le... Oh putain. J'en sais rien, je te l'ai dit. T'en sais rien. Sa famille aussi. Ça pose un problème ? Non. Je leur fous de la trouille. Vous entendrez plus jamais parler d'eux. À ton avis, Maurice, tu m'as foutu la trouille ? C'était juste un boulot, mec. Je savais pas. Qui c'était au téléphone ? Donne-moi son nom. Il me l'a jamais dit, son nom. Je vais te donner un nom. Oh, Lena. Lena Pierce. Je savais pas qu'il y aurait des gosses, ok ? C'était pas prévu, ça. Alors maintenant, je veux que tu réfléchisses attentivement. Réfléchis. Écoute, mec. Même si j'avais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Ces types... On raconte des trucs sur eux, t'imagines même pas. Tu vas oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on peut pas... Arrête ! Arrête ! Qui a donné l'ordre ? On a parlé au téléphone, d'accord ? Il m'a dit où je pouvais te trouver ! C'est tout ce que je sais ! Son nom ? Je sais pas ! Son nom ! Allez, Maurice. Ah, vas-y, bute-moi ! Si tu veux. Ah ! Et ta mémoire, maintenant ? Ça va mieux ? Ah ! Oh, c'est pas bien ça, Maurice. Voilà, ça t'apprendra. Maurice veut rien me dire. Mais je parie qu'à toi, il t'a parlé. Le téléphone. Avant, il y a des choses à ramasser. Donc c'est Maurice qui devait foutre la trouille à Hayden, et à l'arrivée, c'est l'inverse qui s'est produit. Et le pauvre Maurice était allé par terre dans le vestiaire. Donc on va ficher le camp discrètement. Yo, Maurice, qu'est-ce que tu fous, petit bâtard ? Oh merde ! Je peux savoir ce que t'as foutu ? Quoi ? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes, et voilà. Rends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi ? Tu m'as dit que tu l'aurais tué, sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où, d'ailleurs ? Un coup de fil urgent. Alors ? Maurice a craché le morceau ? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bon, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi ? T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène et le match est presque fini. On n'a plus le temps.
joli coup. Bon, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion, donc j'ai appelé les flics. Mais non. Si, si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam 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 pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Les suspects sont sûrement armés. Super, des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi, un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Police de Chicago, s'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous. Donc c'était Jordi. Donc c'est pour vous mettre à couvert. Ah voilà, V pour quitter l'abri, c'est ça que j'avais pas capté lorsque j'avais fait mon test. D'accord. Il faut toujours lire les textes, c'est très important. Jusqu'au bout. Quand j'ai fait mon test audio, je l'ai pas... Enfin, test audio, c'était aussi un test vidéo. Il y en a un autre ici. Quand j'avais fait un enregistrement test, justement, je ne l'ai pas vu ce truc-là. Je ne l'ai pas lu. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la saison? Ils cherchent vraiment à gâcher la fête? Bah oui, pourquoi pas. Deux cadavres au sous-sol du May Stadium. Ils font partie d'un gang. Discrétion, discrétion. Il y a beaucoup de monde qui parle. Hein. Big base steals on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. Ça s'ouvre de l'autre côté. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Donc, le fameux jeu avec les caméras. Passer de caméra en caméra. Pour arriver à l'objectif. On nous a signalé un Viceroy dans le salon VIP. On y va. Oh. Ok, j'arrive. Toi, t'emballe pas, vaut mieux que tu restes en bas. Et la commande qui permet de déverrouiller la porte. Bon, j'espère que les voix ne sont pas trop fortes. Parce que je me suis arrangé pour qu'elles soient quand même assez fortes. J'espère que ça ne couvre pas le son de ma voix. Parce que si on parle, si je parle par-dessus les voix et que les voix parlent par-dessus moi, c'est ça risque d'être un petit peu casse-pied. Donc l'initiation à la création d'objets. Là, c'est plus pour que moi j'apprenne les commandes, plus que pour apprendre les principes du jeu, parce que je les connais déjà. Les commandes, ce n'est pas vraiment le cas. Donc là, ça m'arrange. Bon, mort à l'hameçon. Je pourrais aussi jouer avec une manette, hein, mais je préfère jouer avec le clavier. Et la souris. Parce que c'est aussi un moyen de jouer et que je me suis habitué à le faire. Avec d'autres jeux. Donc j'ai des petits blocages quand même de temps en temps au niveau de la vidéo, c'est... Bah, c'est normal, j'y peux pas grand chose. Je fais de mon mieux, mais... Est-ce que je peux? Hey, voilà, merci. Vous, approchez. C'est quoi ce plan? J'ai rien fait, moi. Juste parler. Alors... est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un compte en banque bien fourni? Oh, il y en a un. Lui. C'est pas illégal que je sache. Faites pas la maline. Ok. Appliqué dans une fusillade mortelle. Dyslexique. Spécialiste de la lutte anti-gang. Je suis certain qu'on va surtout trouver vos noms partout dans nos dossiers. Montrez-moi vos papiers. Accro au téléphone rose. Ah, ils se sont fait plaisir avec. Bon, on va faire autrement. Je dirais bien de sourire, mais ça marche mieux si tu. Avec les vices des personnages. Hey mec, bon allez. Je t'ai pas donné la permission de me prendre en photo. Ben voilà. Jérôme, Richard. Quoi quoi rien. Juste un petit mandat d'arrêt pour trafic. Alors, je crois qu'on a quelque chose. Non mais c'est à... Voilà. Encore une fois, j'espère que le son des voix n'est pas trop fort par rapport à la mienne. Dans le pire des cas, je baisserai. Ou je me tairai pendant que les autres parlent. Bad boy. La police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que t'avais dit que le justicier devait se faire oublier. L'électricité est reliée au CTOS, mais c'est derrière un gros firewall.
Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche ? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien avoir un dans le coin. Hé, hey, c'est quoi, Alan ? Oui ? Vous avez un plan d'évacuation ? Oui, bien entendu. Parfait, alors lancez-le. Attendez, je vais pas évacuer 40 000 personnes pour qu'on puisse jouer au cow-boy. Il y a un incident isolé tout seul. Ça fera l'affaire. Ça me pose aucun problème. Ça, c'est réglé. Et ça aussi. Et ça aussi. C'est bon. Et le petit blackout. Et la lumière ne fut plus. Waouh, c'était fort ça. Donc, c'est parfait. Oups là. Surtout pas là. Ça c'est bon. Oula, j'espère que je vais pas me faire repérer. C'est bon. C'était quand même risqué. On va fermer le profiler. On en a plus besoin pour l'instant. Donc, c'est parfait, on peut tranquillement mettre les voiles. Jordi, où est-ce que t'es ? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi, d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va voir mon garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Sacré Jordi. Les gens s'inquiètent beaucoup. Wow, gros ralentissement, je vous en parlais tout à l'heure. Wow. Alors ça c'est arrivé de temps à autre. Mais normalement ça devrait le faire. Donc ouais c'est bon, ça a l'air d'être passé un petit peu. Hein. Allez, le petit cadeau de Jordi. La voiture. Donc là attendez, faut que je relise attentivement. Donc accélérer, freiner, bon après pour tourner c'est pas sorcier. Frein à main, barre d'espace, majuscule. Pour regarder derrière vous, enfin derrière moi, et changer de caméra avec C. Bon, ça je m'en servirai pas beaucoup peut-être. Mais on ne sait jamais. Par contre la musique est un petit peu forte je trouve. Allez, donc par contre niveau conduite, ça va être un tout petit peu chaud. Parce que avec le clavier, c'est pas la même chose qu'avec la manette. Et la conduite sur Watch Dogs est assez particulière. Hop là, faut tourner à droite parce qu'il y a un barrage un peu plus loin. Donc là vous avez pu voir qu'il y a eu des petits blocages au niveau de la vidéo, donc ça arrivera de temps en temps. Parce que mon PC est peut-être... Donc mon PC est peut-être correct, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Donc là tranquillement on sort de la zone de recherche. Et demi-tour. J'y suis allé fort avec Maurice. Mais la torture marchera pas. Faut que j'arrive à entrer dans sa tête. Sa culpabilité le bouffe. Je vais lui laisser quelques jours. Je suis sûr qu'il va se mettre à table.